Et bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve sur Farming Simulator 2019 pour notre série 100% Fent. Dans le premier épisode, on a fait... Est-ce qu'il y a une voiture? Il y a une bagnole. On va traverser après. On avait... donc vous voyez, on a 503 000 euros. On a fait ce champ, c'est bon, il est labouré, voilà et tout. On va faire l'autre champ qui est à côté où il y a du coton. Et on va s'acheter un cultivateur ou un déchaumeur à disque. On va voir. Cultivateur. Sans chevaux. Je crois qu'il fait 180, je crois. Garage, il fait combien? Il fait 150 chevaux. Donc je peux prendre un peu plus 800. On va prendre, c'est quoi, un 3 mètres. Là, on a un 3 mètres. Là, on a un 4 mètres. Là, on peut planter des trucs. Là, on a... Voilà, c'est pour un 300 chevaux. Voilà. Ouais, ouais. Après, j'ai des modes. 130 chevaux. C'est un 3 mètres. 6 mètres pour un 80 chevaux. J'ai envie de le tester, tiens. Parce qu'après, moi, j'ai d'autres trucs. J'ai 4 mètres. 4 mètres. Là, on a 4 mètres. On a 8 mètres. Ouais, 140. 140, celui-là. Ouais. Et bien, ce qu'on va faire, on va s'acheter celui-là. Voilà. On va s'acheter le saphir. C'est vraiment que je l'ai dans mes modes. Par contre, il faudra que la masse... J'espère qu'il va pas trop lever du cul. Alors, on a toujours la remarque parce que je croyais qu'on avait des champs d'herbe. Ouais. Et aussi... Les vaches, c'est combien? C'est 103 000. On va voir. Alors pour ça, sinon j'aurais acheté celui-là, ça fait 200 à 300. Pourquoi 300 000? 300. 300. J'aurais peut-être pris celui-là. Et ben on va s'acheter celui-là. On va s'acheter ça et on va s'acheter celui-là. Voilà, et on va s'acheter celui-là. Donc, voilà. Voilà. Voilà, on a acheté la maison, tout. Alors, on va machiner. Je vais faire une petite photo après. Je vais mettre comme ça. Il n'y a pas ici un hydraulique à mettre. Désolé si vous entendez du bruit. Voilà. Ouh, ça me pèse un peu. Une petite photo. Souriez, vous êtes filmé. Et voilà. Donc on va aller au champ. Ça me pèse un peu. Hein. Alors le chemin du champ. J'ai mis toutes mes vitesses. Je vais remettre un petit peu l'affichage. J'ai fait déjà une heure avec le tracteur. Bon, j'avance pas beaucoup. Donc, on a ce champ-là maintenant. C'est vrai qu'il faut... On a plein de choses à voir. Alors, le problème, est-ce qu'il y a un chemin? Il peine un peu. Alors on va le trouver.
Donc je crois qu'on a un 6 mètres. C'est cool. Donc là on a... Oula, désolé, petit coup de lag. Hop. Bah il est là. Il est là, c'est cool. Donc c'est ça. Et c'est ça. Oui, parce que le coton, on va pas en faire. Hein. Je vous le dis tout de suite. Désolé, des petits coups. Peut-être que c'est le temps que je charge la map. Bon, on peut laisser ouvert. Hein. Je vais faire en long comme ça. Je vérifie un truc. C'est la puissance de l'outil derrière. Donc la puissance de l'outil. La puissance de l'outil. Donc 17 km/h. Ok. Donc on va voir pour 17 km/h. Alors je mets mon machin. Comme ça on va déplier le bazar et c'est parti et il n'y a pas besoin de labourer et on va enlever ça, voilà, et voilà, et voilà, ce sera une petite vidéo courte. Oula, j'ai des petits coups de lag. On va vite, on est en descente. Ça fera l'affaire. Donc j'ai dû avancer en off. Donc on n'a pas beaucoup d'argent, mais il me semble qu'on a la... on aura droit à l'aide de la banque. La banque. C'est pas grave si je détruis, hein, de toute façon, la culture en roulant. Parce que... parce que je peux en faire cette culture. Ah. Ouais. Bon, il peine un peu. Ça fait beaucoup. De toute façon, ce qui est prévu, c'est qu'on en achète un autre tracteur. Donc là, on est avec le 500 pour l'instant. Bon, il est pas très grand. Donc, voilà. En bas, il n'y a pas pour. Alors là, c'est un avion qui passe chez moi. Désolé si vous l'entendez. On va fermer parce qu'il va nous gêner. Non. Je suis un peu con, je suis encore débile. Alors, on est à combien de minutes de vidéo? On est à 9 minutes de vidéo, une petite vidéo de 15 minutes. Tranquillou. Donc j'avance très vite. J'avance très très vite. Donc dans le prochain épisode, comme on a acheté la ferme,
Et ben on aura je sais pas si on fait deux cultures en même temps, une. Je pense qu'ici je vais faire peut-être des peut-être soit blé, orge ou avoine. Je pense pas qu'il y ait d'autres cultures comme le seigle et tout, je sais pas si c'est dans la map. Après moi je suis toujours la première version que j'ai téléchargée, donc tant qu'il n'y a pas de mise à jour, je la laisse comme ça. Donc voilà, avec les véhicules de base qui sont très bien. On avance pas mal hein. Bon là on a moins d'argent parce que j'ai acheté deux terrains. Ah, c'est vrai qu'il faut l'achat de la moissonneuse. Oh putain, j'ai acheté deux terrains pour rien. Attendez, alors. J'ai rien un truc, je crois que je l'ai pas. Après j'ai les bâtiments, etc. Je vais regarder. Non. On va mettre le truc de subvention du gouvernement que j'ai modifié moi. Donc, comme je vous ai dit, je l'avais mis à 500 000, 500, 5 000 euros, je veux dire. Et après, je l'ai mis à 2 500. Voilà. Donc, ça nous fait 60 000 euros. Donc, on va la mettre là-bas. On va la mettre là-bas. Là, c'est quoi? C'est bah elle est où? Hop. C'est ça. Où on peut la mettre? Où on peut la mettre? On va le rendre. On va le retour. Alors, non, c'est pas ça. C'est ça que je voulais faire. Non, on va le mettre comme ça, les gens. Je sais pas comment je vais me mettre. Ah bah j'ai mal mis encore une fois. Bon, là c'est bien marqué. Donc là on fait un tirage. Voilà, comme ça il se met au décor. Alors, ouh, 14 minutes de vidéo. Voilà, on aura fait pas mal de trucs. Donc, on va se laisser là. Moi, j'avancerai plus tard en off. Voilà.
Donc on va se laisser ici pour cette vidéo, ça sera court, mais bon, je préfère faire des vidéos courtes sur cette série. De toute façon, après, peut-être qu'on changera de marque, on verra bien. Voilà, livre à loup. Donc on a les subventions tous les heures, donc 2500 par heure, au lieu de 5000, donc voilà. Ça va être cool, et voilà. Donc, la prochaine fois, sur le grand champ, ou une montgolfière. Sur le grand champ. Donc, sur le grand champ, de l'autre côté de là-bas. On ne voit pas. Il y aura semi de colza. Et après, on fera semi de blé. Ou d'orge, ou d'avoine. À vous de choisir. Qu'est-ce que vous voulez sur ce champ. Sachant que les trois font de la paille. Donc voilà. Pour l'instant, on gagne bien. Je crois que chargement de la sauvegarde de la machine. Voilà, enregistrement en cours. Si tu veux bien me laisser. À mon avis, je crois pas qu'on avait emprunté. Alors ça c'est des tulles. Si on avait emprunté. Combien on peut emprunter? Ah non, on peut rembourser. On peut encore, hein. Je sais pas comment on va arriver, mais ouais, on peut encore emprunter pas mal, hein. Donc voilà, je pense qu'on pourra acheter la moissonneuse, d'autres outillages et même le tracteur. Ça, on verra bien dans les prochains épisodes. Alors, attendez, je rembourse et on va se quitter là. Vous savez tout ce qu'il y aura dans le prochain épisode. Non. Voilà. Donc, sur ce, on va se laisser pour cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si toujours pas fait. N'hésitez pas à me suivre dans la description. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à répondre pour les trois types de céréales que vous voulez que je plante dans ce champ-là. Voilà, n'hésitez pas à liker, disliker, n'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas. N'hésitez pas, je crois que je suis dans la description de ce qu'il y a, je crois que c'est tout. Voilà, donc moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous dis bye bye.